So focus, hello. Focus on me. Et alors? Oh, c'est magique. Hello. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et à tous très très bien. Je m'appelle Slide, j'ai 21 ans, j'habite dans le sud de la France, comme tu peux l'entendre. Grâce à mon accent, tout à fait. Et aujourd'hui, je vais enfin pouvoir réagir au recap, tout simplement, de notre finale nationale qui va avoir lieu donc, au mois de janvier ou février, on ne sait pas trop encore, qui s'appelle donc Eurovision France, c'est vous qui décidez. Et ça, c'est vachement cocasse, en fait. Et du coup, voilà, j'ai vraiment hâte de tout écouter. Donc, bien entendu, comme tout bon Eurofan qui se respecte, je pense, j'ai entendu la plupart des chansons dans leur intégralité, mais il y a quelques chansons encore que je connais pas bien, donc je vais les écouter. Pour le moment, moi je veux que ça soit André Amat qui représente la France, ou alors tout simplement Barbara Pravi avec Voilà, parce que Voilà, elle n'a pas besoin de, comment dirais-je, d'une mise en scène particulière ou quoi. Ça me fait un petit peu penser à Madame Monsieur qui était très sobre aussi. Donc, je veux vraiment que Voilà gagne, ou André Amad pour le moment. Mais voilà, je veux écouter les autres. J'ai écouté aussi Philippines, ça m'a beaucoup plu. Juliette Morène, alors là, cœur, 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 j'adore. Voilà, mais vraiment, je ressens. Il n'y a pas une chanson qui me fait ressentir quelque chose comme Voilà, niveau frisson et compagnie. Et voilà, donc j'ai vraiment très, très hâte de réagir à tout ce recap. Donc, je tenais vraiment à exprimer aussi tout mon soutien aux 12, je crois que vous êtes 12, aux 12 candidats de cette finale nationale. Profitez à fond. Voilà, vraiment, c'est votre moment à vous. Ce n'est pas parce que vous ne gagnez pas que vous n'allez pas marquer les cœurs. N'oubliez pas, moi, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément gagné des finales et qui ont continué de me marquer. Et ça, c'est vraiment cocasse. Donc, du coup, voilà. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer. Voilà, et vraiment, un gros bisou à tout le monde, à tous les artistes. Et puis, sans plus attendre, eh bien, nous pouvons commencer. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok et Twitter. Et c'est parfait, non mais attends. Alors du coup, on respire un grand coup. Et on y va. Non mais attends. Na te comprends? Pourquoi te vendes? Oh! 21 juin. Faut le faire parce que ce groupe, je les ai suivis par hasard. Il y a quelques mois en plus sur Instagram. J'adore aussi, c'est vraiment super. Ali, j'aime bien aussi. Ah, c'est trop bien aussi. Ah, je suis fan. Alléluia, de nouvelles couleurs of the world. Alléluia, nos différences. J'adore, je suis fan. Voilà, voilà. Oh, je suis fan, Barbara Pravi, cœur, cœur, cœur. Tutti, c'est sympa aussi. Ça, c'est beaucoup plus chill, j'adore hein, aussi. Oh, Juliette Morel. J'ai l'impression que cette chanson peut être la chanson que personne ne s'attend auquel elle fasse un bon classement. J'avais pas entendu LMK, c'est super. Ah, Philippines. Waouh! C'est une superbe finale, vraiment. Alors, pour NX, je suis pas très très fan. Hein.
de leur musique. Après, attention, j'aime bien le groupe. Ah oui, je t'emmènerai danser aussi, je pense qu'elle a besoin d'une petite remasterisation. Mais c'est waouh, c'est vraiment une finale incroyable. Hein. Et danser. Alors ben écoutez, voilà donc voilà à peu près donc mes opinions. Bon bien entendu, il faut que j'écoute toutes les chansons. Maintenant que j'ai entendu un petit, je sais pas si on peut dire un sample de musique. On va dire un sample. Hein. Voilà, j'ai entendu un petit échantillon. Ben écoutez, pour le moment, il n'y a pas une chanson que je déteste ou que je dis ouais, elle va pas passer celle-là. Il n'y en a vraiment aucune, donc c'est vraiment super, en fait. Donc voilà, je souhaite. Ah, bah, alors attendez, je remets ma casquette droit. Voilà, oh là 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 là, parfait. Donc, du coup, voilà, vraiment, je souhaiterais que Barbara Pravi nous représente, ou André Yamad, ou peut-être Juliette Morène, ou 21 juin, faut le faire, parce que 21 juin, je les ai suivis complètement par hasard il y a quelques mois, sans savoir qu'ils allaient faire Eurovision France, et c'est vous qui décidez. Donc, c'est incroyable. Donc voilà. Eh bien, écoutez, chers amis, je vous fais à toutes et à tous des gros bisous et. Alléluia, nos différences. Voilà qui je suis. Non, mais attends. À bientôt. Non, mais attends.